Tout moteur passe une bonne partie de sa vie à tourner au ralenti. Le MCE de votre moteur contrôle trois fonctions qui améliorent l'économie, réduisent le bruit et les vibrations et respectent les lois sur les émissions et la marche au ralenti. Ce sont le contrôle du ralenti, la fermeture au ralenti et l'interrupteur d'ajustement. Vous pouvez régler la vitesse de rotation au ralenti pour chaque type de moteur. Votre directeur de parc règle ces paramètres au moyen du module de contrôle électronique. Ensuite vient la fermeture au ralenti. Si le camion marche au ralenti et personne ne touche à l'accélérateur, au frein ni à l'embrayage pendant 5 minutes, le MCE ferme le moteur pour éviter le gaspillage. Le délai est programmable selon les besoins du parc. Si votre parc s'en sert, vous pouvez le désactiver manuellement. Au cours des 30 dernières secondes de marche au ralenti programmé, le voyant clignotera. Si vous touchez à une pédale, la fermeture est annulée et le décompte ne reprendra pas avant le déplacement ou le redémarrage. Utilisez cette fonction lorsque vous voyez que le moteur s'éteindra bientôt, si vous êtes sur le point de partir. Il est aussi possible d'utiliser cette fonction selon la température extérieure. Par exemple, la fermeture automatique peut être désactivée s'il fait très froid ou très chaud, pour garder le chauffage ou la climatisation. Votre parc règle ses paramètres. Enfin, si votre véhicule possède un interrupteur d'ajustement des tours, vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse de 25 tours à la fois, selon la plage de vitesse au ralenti de votre moteur. Le contrôle de vitesse au ralenti établit le nombre de tours que fait le moteur au ralenti. Si vous avez un interrupteur, vous pouvez réduire le bruit ou les vibrations et réinitialiser la minuterie de fermeture en appuyant sur une pédale. La fonction de fermeture permet de respecter les lois de divers États et villes, comme New York et la Californie. Ces lois déterminent où et combien de temps votre moteur diesel peut tourner au ralenti. Comme nous l'avons dit, la marche au ralenti consomme, mais certains conducteurs pensent qu'il faut laisser réchauffer le moteur et le laisser tourner pendant qu'ils font la vérification avant le départ. Les moteurs d'aujourd'hui n'ont pas besoin de chauffer. Vous pouvez partir à 60 ou 70 % de puissance dès que vous avez une pression d'huile, ce qui économise le carburant. Certains conducteurs croient aussi qu'il vaut mieux ne pas couper le moteur de poids lourd. Rien n'est plus faux avec les moteurs d'aujourd'hui, optimisés pour bien démarrer par temps froid. Coupez donc le moteur et économisez du carburant. De plus, pensez-y. À quoi sert de faire tourner le moteur si vous n'avancez pas? Vous ne réduirez pas le nombre de litres au kilomètre, même si vous faites 0 km. Question. Combien de temps faut-il pour qu'un moteur tournant au ralenti se ferme? 5 minutes? Ou c'est le directeur du parc qui décide? Eh oui, c'est le directeur du parc qui programme ce délai.